Merci pour cette belle présentation. Alors Jean-Pierre, je sais que bon, la plupart du temps, les artistes qui vont ou bien qui sont qui chantent le Seigneur ne prennent pas le pas du coup. Ils font carrément le chemin, choisissant par-ci, aller par-là, toucher un peu de tout avant de rentrer dans l'univers, c'est-à-dire l'univers qui sera carrément classique pour eux. Alors, est-ce que c'est un peu la même chose avec toi ou bien déjà très tôt, tu t'es consacré à la voix du Seigneur ? Oh, je veux pas dire que je me suis consacré très tôt. Ouais. C'est-à-dire que j'ai grandi dans l'église. Oui. Mais je faisais toujours des trucs que je devrais pas faire, ouais. Comme tout le monde. Et j'essaie de blaguer le Seigneur un peu là. Oui. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux un peu ici et là. Oui. Et la conviction du Saint-Esprit m'a pas lâché. Oui. Malgré que tu faisais du n'importe quoi. Hein, c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Voilà. Te dit bon, allez, ça c'est pas bien, fais pas ci. Mais on s'entête à un moment donné, il nous dit ok, c'est le meilleur moment pour nous de te changer de voix. Voilà. Il laisse pas tomber, Dieu merci pour ça. Ouais. Et en 2011, oui. Et c'est avec une grosse conviction que j'ai. Parce que l'une des grandes choses que le Seigneur voulait que j'arrête, oui. C'est d'écouter les chansons du monde. Ouais, ouais. Et donc, j'essayais, j'arrivais pas, je retéléchargeais les sons, je supprimais, je retéléchargeais, toute ma vie quoi. Ouais. Et en 2011, j'ai fait pareil, j'ai supprimé les sons, là j'ai pleuré dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, il faut que j'arrête, je sais que tu veux pas que je fasse ça. Mm-hmm. Et après ça, c'est depuis 2011 que j'ai tout stoppé. Ouais. J'ai jamais eu l'envie de réécouter quoi que ce soit. Ouais. Et mais c'est juste après ça, j'ai commencé à entendre les chansons du ciel. Oui. Et c'est comme ça que je reçois mes chansons en fait. Ouais. Je les écoute comme si j'écoute à la radio et puis ouais. Moi j'interprète. Et c'est-à-dire que je les écoute à 70% on va dire. Oui. Il y a quelques petits trous. Oui. Et à force que ça rejoue dans ma tête, oui. Ben ces trous se remplissent. Ouais. Les mots viennent, les mélodies, tout ça. Et puis bon voilà quoi. Est-ce que la musique du monde quand même, après tout, était quelque chose de néfaste pour toi ? Pour moi, très. Oui. Parce que d'abord... Je pouvais pas écouter les cieux, oui. Sans avoir arrêté d'écouter la musique du monde. Ouais. D'abord, ça c'est un gros truc pour moi. Ok, je parle personnellement. Hein. Oui, je peux oui. Que parler de mon expérience. Bon, je vais laisser Di, est-ce que tu as envie de poser des questions? Bah oui, on va essayer. Hein, on va essayer de voir. Donc j'ai mis tout à fond là-bas, donc on va essayer de voir. Ok. Est-ce ouais. Que vous m'entendez? Oui, ça va. On te reçoit. Ok, oui. D'accord. Juste que tu ne parles pas fort. Je sais que hein, tu as toujours des soucis à parler fort. Mais non, mais je veux que vous profitiez de ma voix mielleuse. Ok, merci. Bah, tu m'as volé beaucoup de questions. Hein, oui. Merci beaucoup. Oula, oh, mais franchement, j'avais pas du prévu, mais je suis un peu emporté par la ouais. Bonne présentation de notre invité. C'est vrai, allez, c'est oui. Emballant. Oui. Par contre, moi, j'aurais bien m'arrêter sur le clip Ton Avenir que oui, j'ai d'accord. Écouté, qui oui. M'a parlé, oui. Qui a fait pratiquement un peu 3000 vues. Oui. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quoi l'histoire derrière Ton Avenir ? Ouais. Alors, j'espère que je ne vais pas te décevoir les gens. Hein. Parce que souvent, quand on pose des questions comme ça, on ouais. S'attend à une histoire. On ouais. Me dit, oh là là, ça me fait rêver, tout ça. Et, non. Moi, je vais être... Mais par contre, je promets que tout ce que je dis, c'est la vérité. Oui. Ok. Ok, donc j'étais en plein milieu de journée. Oui. J'étais entre deux classes parce que je suis enseignant de profession. Oui. Et boum, j'ai arrêté ma classe et j'étais en train de marcher un peu, de respirer un peu. J'ai écouté Ton Avenir, ouais. Comme ça, comme en pleine journée. Comme je l'ai dit, j'ai écouté à 70%. Nous, les jeunes, on n'aime pas trop se déplacer carrément pour changer de vibe, mais avec cette vibe, hein, tu as dans ta playlist, tu écoutes, ok, bon, Jean-Pierre a dû dire, rentre dedans. Bah oui, c'est un peu carrément nouveau, mais ça chante aussi le Seigneur. Alors, question avec toi, Bon, oui, c'est moi, c'est par rapport à l'anglais. Déjà, oui. J'ai remarqué sur votre page Facebook, vous parlez ouais. Beaucoup en anglais, vous faites des mini vidéos de motivation et tout ça. Toute ma vie on pose cette question. Non, honnêtement quoi, c'est à dire qu'à un moment donné je me dis bon écoute il y a des gens qui se sont disputés avec moi oui. Sur les chansons que je leur ai dit que j'ai chanté, ils disent mais toi tu peux jamais faire ça toute ta vie. Mm-hmm. Regarde l'anglais, regarde tout ça, c'est moi qui l'ai chanté hein. Ouais, ouais. Donc au final je laisse. Ok, je suis togolais 1000%, Togo Tommy,
Okay. I speak English because I've been able to speak English my entire life. Yeah. When I was 3 years old, my family moved to Ghana. So. And I lived there for 7 years, and then we came back here, I lived in Ivory Coast as well, and then I moved to the USA, and from the USA I came back to Togo. This is not Ghana English. No. It's US. My sister is not English. It's like the guys come just from USA. So. Non, en fait, je suis courant français, mais en anglais également. Ouais. Parce que j'ai parlé anglais toute ma vie, en fait. Ouais. Bien avant de partir aux États-Unis après, j'ai parlé anglais toute ma vie, en fait. Vous voyez des vidéos sur ma page en anglais aussi. Ouais. Parce que plein d'amis et tout ça que j'ai parlent anglais aussi. Donc, ils me disent, hey, mais tu nous parles plus là, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Donc, je dois départager un peu de français, un peu d'anglais, tout ça, voilà. James, bon, tu devrais prendre des cours, hein. De mon côté, ça va, hein. So, no, I'm feeling good with English. I don't have a lot of problem with English teacher in the past. Oh, so, great. Right now, I just want to know also if you are planning to have some collaboration with Togolese artists, some young Togolese artists, why not? It should be something special for God. Are you planning something like this? Yeah, absolutely. I'm planning that. Actually, everything I do is to follow the lead of the Holy Spirit. Mm-hmm. I am not close to anything. Yes. I'm open. But I have to get the okay from the Lord. Yes. If I don't get that, that's going to be the problem. But I'm not going to say, oh, I don't want to sing with... No. I'm open to everyone. Yes. But I'm trying to please the Lord first. Yes. Before anything. Because I don't want to sing to sing. I don't want to sing for people to tell me, oh, you have a beautiful voice. You're great. But I want to sing for people's lives to change. Yes. I want to sing for people who are crying to laugh now. Yes. I want to sing for people who are lost to be saved. That's what I want to sing, because I grew up singing for people to say I'm great. I've had enough of that. Yes. I don't want that anymore. I want the real deal, which is what the Lord only can provide. Okay, I think you have to come in back in church. Not for me, but maybe for people who are listening us at home. They don't get a lot of things about what you are saying. Donc, il nous disait tout à l'heure que pour lui, il n'y a pas de problème de collaborer avec un artiste togolais, mais c'est le Seigneur qui doit lui donner le OK avec qui faire cette collaboration. Jean-Pierre Adjodi, il est toujours avec nous. Seul Jésus peut te sauver de ta situation. Seul Jésus peut t'élever à une autre position. Seul Jésus peut t'accorder la vraie restauration. Seul Jésus peut.